Salut les mecs et les miss et bienvenue dans My Club Testing. Cette fois-ci, on va tester un des chefs-d'œuvre de la Nintendo 64. En plus, avec son plastique doré, ça donne vraiment un style à la cartouche. Et avant l'apparition de Twilight Princess, Majora's Mask était mon Zelda préféré. Et pour moi, Zelda, c'est la série de jeux la plus connue et la plus énorme qui existe, à part Mario. Bonne chance pour trouver un truc plus connu que Zelda. Ce Zelda était sorti en novembre 2000 et il a été développé par Nintendo, bien sûr. C'est aussi le second Zelda en 3D que j'avais à l'époque beaucoup attendu, vu que j'avais adoré Ocarina of Time. Il faut aussi préciser que le temps de développement a été très court pour un Zelda, seulement un an. Et pourtant, il est excellent. Déjà, la cinématique d'intro nous plonge dans une ambiance assez particulière. C'est d'ailleurs peut-être cette ambiance particulière de ce Zelda qui fait que ce Zelda était... ou être peut-être toujours en fait mon Zelda préféré, je sais pas, c'est quand même difficile à dire. Et là, j'adore la fin de l'intro où tout devient plus obscur. C'est tout simplement magnifique. Alors l'histoire du jeu est en fait la suite directe de Ocarina of Time. En fait, en parlant de chronologie, vous avez déjà vu ce truc-là? Eh bien, ce truc-là, c'est la chronologie officielle des jeux Zelda. Je suis d'accord que certains Zelda se suivent, comme Ocarina of Time et Majora's Mask, ou les deux Zelda de la NES, ou encore The Wind Waker, Phantom Hourglass et Spirit Track, mais les autres, ils ne se suivent pas du tout. Il faut pas se casser la tête, les jeux Zelda n'ont pour la plupart aucun rapport l'un l'autre. Déjà, même ceux qui ont fait ce tableau ont été obligés de galérer pour le faire. Ça se voit, ils ont été obligés de diviser l'histoire en trois continuités alternatives. Pour moi, c'est la preuve irréfutable que Zelda n'a jamais été pensée pour être une série qui se suit. Chercher une chronologie dans Zelda, ça en revient à chercher, je sais pas, le véritable sens de la vie, ou est-ce que l'univers est réellement infini? On le saura peut-être jamais. Alors, vaut mieux encore ne pas y penser. Revenons donc à Majora's Mask. Comme je disais, ce Zelda est la suite d'Ocarina of Time, mais ça, c'est une certitude. Alors Link, après le combat contre Ganon, exténué, décide d'explorer de nouvelles régions en quête d'un nouvel ami. Mais il ne s'attendait pas à ce qui allait se passer. Et durant ce temps qu'il est inconscient, il se fait dérober l'ocarina du temps que Zelda lui avait confié. Là, je kiffe trop la tête de Link, ça me fait marrer.
Enfin bref, il va bien tenter de récupérer son ocarina, mais à la place, il va se faire voler son putain de canasson. Quel boulet! Voilà, alors le jeu commence à partir d'ici, et nous commençons en fait là une sorte d'intro, qui est malheureusement un peu longue, mais j'y reviendrai après. Link va donc tomber dans un trou, avec une chute un peu particulière, on dirait que c'est comme s'il changeait de dimension. C'est chelou. À présent, Skull Kid, oui c'est comme ça qu'il s'appelle, commence à être saoulé que je le suive. Alors, il va me jeter une malédiction. Sympa, non? Quand même, ce type, c'est un enfoiré. Il me pique mon ocarina, il me pique mon canasson, il me fout une malédiction. C'est quoi l'étape suivante? Il va piquer ma meuf? Et cette malédiction a pour effet de me transformer en peste mojo. On voit tes couilles, hein? Et en plus, ça le fait rire. Puis, Skull Kid se fait la malle et m'abandonne. Mais aussi Taya, une de ses fées. Qui va d'ailleurs décider de se joindre à moi, parce qu'elle sait que tôt ou tard, je retrouverai Skull Kid. Les pestes mojo, ce sont des créatures mi-végétales, mi... on ne sait pas trop quoi en fait, mi... ben creeper, voilà. Vu qu'ils ont l'air tristes. Mais avec des capacités bien à elles. La première est son attaque tournoyante. La seconde est de pouvoir rentrer dans ses grosses fleurs pour en être éjecté et pouvoir voler un court instant. La troisième est de pouvoir de rebondir plusieurs fois sur la surface de l'eau. Et le dernier pouvoir est de pouvoir projeter des bulles. Et ça, ce sera pour un peu plus tard dans le jeu. Une fois sorti de cette grotte étrange, on arrive dans une horloge tout aussi étrange, où l'on fait la connaissance du type de la foire aux masques qui était déjà présent dans Ocarina of Time. Il nous raconte s'être fait voler son masque. Il nous demande de le ramener et de ramener aussi l'ocarina que je me suis fait dérober pour qu'il puisse me redonner mon apparence normale. À présent, nous arrivons enfin là où le reste du jeu va se passer, c'est-à-dire dans la région de Termina et non pas Hyrule. Et nous sommes dans la ville centrale du jeu, c'est-à-dire Bourg-Clocher. Et là, nous sommes dans la partie d'intro qui est un peu relou, même si elle permet de se familiariser avec le jeu et qu'elle apporte beaucoup sur le scénario. Aujourd'hui, je l'aime bien, mais à l'époque, quand je connaissais pas le jeu, elle m'avait gonflé. Déjà parce que l'on est bloqué en mojo, on ne peut pas sortir de la ville, et surtout, on ne peut pas sauvegarder. Il y a longtemps, quand je connaissais pas le jeu, j'ai dû recommencer plusieurs fois ma partie parce que je trouvais pas la solution qui me permettait de passer l'intro et pouvoir sauvegarder. Mais ce passage prend tout son sens parce qu'il est vraiment fait pour qu'on prenne le temps de découvrir Bourg-Clocher. Et le principal truc dans le gameplay avec lequel il va falloir se familiariser, et ce qui fait que ce Zelda est si particulier, outre les différentes métamorphoses, c'est la montre, que vous voyez en bas de l'écran. Parce que je ne vous l'ai peut-être pas encore dit, mais nous sommes sur le point de nous prendre la lune dans la gueule. La lune est en fait en train de tomber, gentiment mais sûrement. Et elle va tout anéantir. Donc, dans 3 jours, le monde ne sera plus anéanti par cette tête de nœud, qui, je l'avoue, me foutait la chiasse quand j'étais petit. Non, finalement, elle me fout toujours la chiasse. Alors, durant tout le jeu, vous aurez ce stress que la fin du monde est imminente. Vous le sentirez en particulier quand vous parlez à certaines personnes, ou quand vous regardez la montre. Et oui, parce que la montre nous indique à combien de temps nous sommes de la fin du monde. Parce que le 3e jour à 6h du mat, le monde disparaîtra dans les flammes. Mais le truc, c'est que les 3 jours passent vite. Alors, dans l'immédiat, cette fameuse fin du monde me gonflait. Car au début, il me faut réussir certaines quêtes pour pouvoir retrouver Skull Kid. Si je ne les accomplis pas, je devrais tout recommencer à zéro vu que je n'ai pas encore eu l'occasion de sauvegarder. Mais ne retenez pas pour autant que ce timer sera votre pire ennemi et qu'il vous pourrira tout le long du jeu. Ce que je dis là n'est valable uniquement pour ceux qui ne connaissent pas Majora's Mask au début du jeu. Donc, une fois cette petite quête terminée,
je vais pouvoir retrouver Skull Kid. D'ailleurs, c'est seulement 5 heures avant la fin qu'on pourra le voir. Écoutez. Écoutez cette musique. Elle est énorme. Elle est méga angoissante. On sent que c'est la fin. D'ailleurs, c'est censé être soir de carnaval. Et regardez, il n'y a personne. C'est désert. Si je ne fais rien, voilà à quoi ressemble l'apocalypse. C'est en fait assez terrible. On voit la lune se planter dans l'horloge. Enfin, je vous laisse voir. À l'époque, quand le jeu était sorti, je l'avais reçu pour Noël. À cette époque-là, j'avais 8 ans. Et je vous promets que la première fois que j'ai vu la fin du monde dans Zelda, ça m'avait choqué. Voilà un petit moment de blabla. Alors Tael, le frère de Taya, nous dit un indice pour arrêter Skull Kid. Quel enfoiré! D'ailleurs, au passage, on a la confirmation que c'est bien Skull Kid qui utilise le pouvoir du masque pour attirer la lune. Et à ce moment-là, je vais réussir à récupérer l'Ocarina du Temps, qui a désormais la capacité de retourner vers le passé. Et me revoilà à nouveau au premier des trois jours. Je peux donc enfin retourner voir le type de la foire aux masques qui s'était engagé à lever ma malédiction si je retrouvais mon Ocarina. Il va donc m'enseigner une musique qui a la capacité de guérir les âmes des blessures et aussi de purifier les corps du mal qui peut les habiter. D'ailleurs, en écoutant cette fameuse musique, ma malédiction va se transformer en masque, qui va désormais me permettre de me transformer en Mojo quand j'en aurai envie. Ça me fait marrer, je dois être un petit peu con parce que j'ai toujours rêvé d'avoir ce masque en vrai. Par contre, j'y réfléchirai quand même à deux fois. Parce que quand on le met, ça n'a pas l'air d'être une partie de plaisir. Ça a l'air sensationnel. Ce Zelda a vraiment une ambiance beaucoup plus sombre et mystérieuse que tous les autres Zelda. Mais c'est qu'une fois avoir vu tout ça qu'on commence vraiment à s'en rendre compte. Et c'est ça qui le rend aussi envoûtant et captivant. Et c'est justement parce qu'il est aussi surprenant que j'ai adoré ce jeu et qu'il m'a marqué à vie. Je peux le garantir. Donc maintenant, il veut aussi que je lui rende le Majora Mask que je m'étais engagé à ramener. Eh bien, ouais mon gars, j'étais culant. Maintenant, il va m'expliquer quel est vraiment ce masque étrange. Il dit que ce masque s'appelle le masque de Majora, tu parles d'un scoop, et qu'il s'agit d'une relique très ancienne utilisée par une vieille tribu et qu'elle servait à jeter des malédictions. Il nous dit aussi que le masque est très très puissant. Il est en fait même capable de corrompre l'esprit de son hôte. À vrai dire, ce masque a en réalité un... Ah, je vais pas vous le spoiler. Je préfère de loin vous laisser la surprise.
Même si j'aimerais beaucoup vous montrer, vous partager la fin du jeu et pouvoir la commenter, mais je trouve presque criminel de spoiler la fin d'un chef-d'œuvre pareil. Voilà, j'ai enfin fini l'introduction. Eh bien, c'est pas trop tôt. Je peux donc enfin parler du système de sauvegarde qui vous accompagnera tout le reste du jeu. Et pour résumer, il est assez chiant, parce que si vous ne quittez pas le jeu proprement en vous servant d'une de ses statuts de sauvegarde, vous reprendrez votre progression au dernier premier jour que vous avez vécu. Cela peut vouloir sous-entendre 3 heures de jeu plus tôt, dans le pire des cas. Mais si vous faites un minimum attention, tout devrait bien se passer. Je préfère juste vous prévenir avant que cela vous arrive aussi. Mais l'intro un peu contraignante et le système de sauvegarde relou sera les seuls et uniques reproches que je ferai à ce jeu. Après, si les gars de chez Nintendo ont fait le système de sauvegarde différent de celui d'Ocarina of Time, c'est qu'il doit avoir une bonne raison technique derrière. Après, laquelle, je ne sais pas exactement, peut-être la complexité de la sauvegarde avec l'heure ou les quêtes annexes qui sont beaucoup plus nombreuses qu'à coutume. Ce qui expliquerait aussi pourquoi il n'y a que 2 fichiers de sauvegarde alors qu'habituellement il y en a 3. Donc je pense que le moment est bien choisi pour vous reparler de la montre. La montre n'est pas un simple et bête minuteur qui vous rappelle le temps qui reste avant la fin du monde. Elle vous servira notamment pour des quêtes annexes parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a beaucoup plus que d'habitude. Parce que comme vous revivez les 3 mêmes jours en boucle, cela a pour conséquence que les personnages du jeu feront à chaque fois la même chose, à chaque fois que vous revivrez les 3 jours. Parce que Bourg-Clocher est une ville très vivante, rien à voir avec la place du marché d'Ocarina of Time, où l'heure n'avait que peu d'incidence sur le comportement des personnages. Il y avait que 2 stades en fait, le jour et puis la nuit. Parce que dans Majora's Mask, c'est vraiment autre chose, chaque seconde est différente, mais identique à chaque fois que vous revivrez les 3 jours. Par exemple, il y aura un orage à chaque fois à Bourg-Clocher le 2e jour. Ou encore l'invasion d'extraterrestres avec des jupes écossaises la nuit du 1er jour. Non, c'est réellement dans le jeu. Et si vous voulez que je rajoute une couche, les extraterrestres en fait ils veulent voler les vaches du ranch. Ouais, c'est bizarre. Mais j'adore ça. D'ailleurs, la séquence des extraterrestres est assez stressante. Je vous conseille vivement d'avoir la carte. En parlant des maps, les maps dans ce jeu, il faut les acheter en fait, c'est des améliorations, elles sont pas de base comme dans Ocarina of Time. Et c'est Tingle qui les vend, et c'est aussi le premier jeu où il y a Tingle qui apparaît. Et oui, il est gay. À présent, je suis obligé de parler des graphismes. Vous l'aurez remarqué, si vous avez l'habitude de jouer à la Nintendo 64, ces graphismes sont plus qu'excellents. Déjà parce qu'ils utilisent le même moteur graphique qu'Ocarina of Time, qui était déjà très bon, mais en plus, ce jeu a besoin, obligatoirement, de l'Expansion Pack, qui était en fait une extension de mémoire vive pour la console, ce qui boostait aussi ses capacités graphiques. Quant aux musiques, rien de bien surprenant pour un Zelda. En d'autres termes, c'est tout simplement excellent. Je vous fais écouter quelques OST. C'est de la balle, hein. Allez, pour finir, les donjons. Les donjons sont donc des sortes de forteresses dans lesquelles il y a beaucoup plus d'ennemis et plus de mécanismes, qui sont dans Zelda une véritable marque de fabrique. La preuve, un Zelda sans donjons serait pour moi un Zelda obligatoirement raté. J'ai véritablement beaucoup de peine à imaginer un Zelda sans donjons. Donc, dans Majora's Mask, on pourrait reprocher au jeu de ne posséder seulement que 4 donjons, et de ne pas avoir de donjons à la fin, par exemple l'équivalent de la tour de Ganon dans Ocarina of Time. Moi en tout cas, je ne le reproche pas. Parce qu'il n'y en a que 4, mais putain qu'est-ce qu'ils sont mémorables. Peut-être même les donjons les plus aboutis de toute la série. En plus, ces donjons ont tous un thème très original, surtout le 4e. Et quant à la fin du jeu, ne vous en inquiétez pas, parce que, sans trop de donner de détails, elle est tellement géniale que vous n'en marquerez même pas l'absence de donjons.
Pour résumer, The Legend of Zelda Majora's Mask est sûrement un des meilleurs jeux de la série. Paradoxalement, le plus bizarre aussi, il ressemble beaucoup à Ocarina of Time, mais avec beaucoup de différences. Mais il doit être un des meilleurs jeux de la Nintendo 64, si ce n'est le meilleur. Et encore aujourd'hui, il serait un des meilleurs jeux de tous les temps. Je ne peux que vivement vous conseiller d'y jouer parce que ce jeu mérite vraiment une attention toute particulière. Sur ce, je me casse et je vais me taper une putain de grosse burn bien fraîche. C'est quoi ce bordel ? Oh non, fais chier. Pas encore.